pense qu'on a eu le tournage le plus beau du monde. On a eu une équipe de tournage absolument incroyable. On s'est très bien, enfin on s'est tous très bien entendus. Du chef-op au régisseur, enfin, c'était incroyable. On mettait de la musique, on dansait, enfin, c'était vraiment une ambiance. C'est devenu des gens que je porte vraiment dans mon cœur parce que quand on voit en fait un film ou quand on voit une série, on pense que c'est grâce aux comédiens, mais on oublie les scénaristes, on oublie les réalisateurs, on oublie les gens du son, on oublie la déco, l'accessoiriste, que tous ces gens-là en fait créent la série. Et je suis si fière d'eux, quoi. Je suis si fière de leur travail et d'avoir rencontré des si belles personnes. Imagine, si je lui avais dit que son canari s'était fait déchiqueter par le ventilateur. Ou que son Kobe avait brûlé vif dans la cheminée. Alors, ici, je ne veux pas qu'il apprenne que Guigui s'est retrouvé avec les boyaux répandus sur la route. On vous entend. On devrait peut-être commencer par isoler ce mur. Oui, on va commencer par celui-là. Les enfants, c'est des machines. Je veux dire, ils arrivaient parce que tous les soirs, on nous donne notre texte pour le lendemain. Et les enfants connaissaient leur texte tous les jours. Enfin, c'est incroyable. Et il n'y a pas besoin de leur demander mille fois de jouer les choses, en fait. C'est inné chez eux. Et donc, quand ils avaient étudié le texte et qu'on faisait une répétition avant de tourner, ils avaient déjà compris la mécanique en fait du sketch et donc ils étaient tellement justes. Guigui va être bien ici. Guigui va être bien ici. Ce qu'il y a de chouette avec cette série et avec ce qu'on a essayé d'amener avec Mathieu, c'est qu'il y a le stéréotype, mais avec cette petite touche irrévérencieuse en plus où on fait oh. Nous, on adore ces rires-là avec Mathieu, le fameux « Oh, ils ont osé !» Oui, on a osé. Ça y est, la maison est à nous. C'est quoi ? Une mallette que j'ai trouvée dans la chambre. L'ancien propriétaire a dû l'oublier, on devrait lui rendre. Si ça se trouve, il y a de l'argent. Peut-être même de la drogue. Qu'est-ce que tu fais ? Ah ben, j'essaie de l'ouvrir. Et si c'était une bombe ? On a développé un nouveau scénario, cette famille déménage pour vraiment faire table rase du passé. Moi, je pense qu'on peut rire de tout. Alors, il y avait quelqu'un d'incroyable qui disait on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Moi, ça a changé ma vie, le rire. C'était très compliqué pour moi en primaire. J'avais pas un physique facile et tout ça. Et donc, forcément, j'ai dû développer le rire. Ça m'a sauvée. On s'emmerde, non, quand on rit pas. Enfin, moi, perso, moi, j'ai besoin de rire tous les jours. Donc, oui, non, pour moi, le rire, c'est ma plus belle drogue.